soirée d'ouverture, en avant-première, le film argentin de Lucia Puenzo, XXY. Bon, un sujet très l'hermaphrodisme. Toutes ses conséquences et surtout dans notre culture, bon, parce qu'il est des cultures où l'on prend les choses comme elles arrivent, la nature étant parfaite, tout ça, voilà. Bon, nous appartenant à une culture judéo-chrétienne où Dieu est tellement parfait qu'il a tout fabriqué, mais apparemment il fait des conneries et il faut que les humains interviennent. Et c'est donc un petit peu le sujet de ce film, opérer, ne pas opérer, opérer à la naissance, etc. Et aussi la pose d'étiquette. Il faut que les masses ce soit, voilà quoi, hein. Il faut qu'il y ait une étiquette surtout, donc, et aussi voilà, donc est-ce un homme, est-ce une femme, bon, notre langue, les langues latines ont perdu le troisième genre depuis quelques millénaires, enfin peut-être pas tant que ça quand même, parce qu'il persiste dans le vieux germanique. Bon, là j'ai l'air de m'égarer, mais pas tant que ça, finalement. Donc, ce film sort en salle. Bon, il a eu le Grand Prix de la Critique à Cannes cette année. Et il sort le 26 décembre en salle. Donc, ne vous laissez pas impressionner par un début. On se dit, les premières images, on se dit, oh, encore un de ces films total à télo. Non, pas du tout. Après quelques images, machin et tout, on est totalement pris. Bon, des acteurs superbes. Donc voilà. Machin et tout. Donc là, j'ai repris le truc d'étiquette qui était aussi quelque part. Bon, je sais, c'est à l'envers. Le dernier commentaire que je fais est le premier jour du film. Et voilà, il y avait aussi ces histoires d'étiquetage tout au long du festival. Donc, la nuit Canal disant il n'y a plus d'étiquette. Un film, par contre, où on en était à toutes les étiquettes faites, femmes, femmes, machin. Voilà, donc. Donc un festival très riche quand même, enfin pas quand même, des films extrêmement variés, pas typique, justement pas ghetto, cinéma gay, lesbien et tout est noir et blanc, ce borderline comme ce film XXY, entre autres, mais finalement, un genre de film qui concerne tout un chacun, parce que si on creuse les choses, on est très surpris de découvrir que, bon, bah, si on prend le monde des transsexuels, bon, bah, il y a les. Ok, alors il y a les trans-intelléo, mais alors celles qui sont en bois de Boulogne, ah, ben, bah, c'est pas la même chose, gna gna gna, il y a les PD comme ci, qui ne peuvent pas voir les PD comme ça, et les lesbiennes comme ça, les machins, et les femmes, et les pas femmes, et les. Tout ce qu'on veut. Bon, ceci dit, heureusement, quelque part, il y a quand même des êtres humains. En tous les cas, super festival.